Alors José Sébéloué s'en va, c'est la compagnie créole qui se retrouve en féline. Ben c'est carrément un orphelinat, parce que avec, je dirais, 42 ans de vie commune, ou avec eux, j'ai passé plus souvent mon anniversaire qu'avec ma propre famille et mes propres enfants. Alors donc, je ne peux pas oublier José. Puis en plus, il y a une deuxième particularité, c'est que lui, il est né le 17 et moi, je suis né le 16 septembre. Alors donc, on ne peut pas s'oublier, tous nos anniversaires ont été ensemble. C'est pour ça que j'ai le cœur hyper gros aujourd'hui, de savoir qu'il n'est plus avec nous physiquement, mais moralement, il est avec nous. Le groupe va continuer? C'est la question que tous les journalistes m'ont posée aujourd'hui. Il est trop tôt pour pouvoir faire un pronostic. On ne peut pas faire ça avec le cœur brisé. Vous serez en Guyane pour l'inhumation? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Je ne pouvais pas laisser mon frère partir et pas être avec lui jusqu'à la fin.